Bonjour, Valandré. Ben, on a bien dormi, hein. Mieux que dans un refuge. J'ai dû me réveiller une fois. Ah, il fallait quand même un bon petit matelas, quoi. C'était un peu juste. Un peu trop light, là, mon petit carimat. Et t'avais gardé une polaire? T'étais en polaire? Ouais, juste une polaire. J'avais chaud. Je l'ai ouverte et tout. J'avais trop chaud. Le plus dur maintenant va être de sortir de ce petit truc douillé. Ah. Merde. On attaque le glacier Carré. C'était grasse mat ce matin. Ok. Voilà, t'es en bout de corde. Tu vas partir dans la fissure de gauche là. J'enlève une couche. Ouais, c'est bon. Non, tous les trucs en dénon, c'est en dessous. C'est surtout glacier carré. Sinon, tu peux passer, regarde, tu peux. Non, mais là ça va, mais c'est après, tu vois, dans la. Le dièdre, tu montes à. Ah ouais, dans le dièdre. Aller comme ça. Vas-y. Et voilà le sommet du Grand Pic. Troisième fois pour moi. Bravo messieurs, super. Troisième. Bon rocher pour venir. Et là, les emplacements de bivouac. Petit, hein, deux places. Deux places ici, ici pas terrible. On aperçoit un autre sommet, je crois que c'est le Grand Paradis. Bon, c'est un petit peu pris, hein. Il n'y a qu'ici qui fait beau, hein. Enfin non, toute l'Italie comme d'habitude et toute la partie italienne est gavée par la plaine du Pô. C'est là qu'on comprend qu'il fait bon d'être français, monsieur. Vous voyez? Les nuages sont en Italie. Nous, monsieur. Et la France, elle, a le beau soleil. Voilà. Il faut s'encorner pour aller au rappel. Hein. Ouais, mais là, Bon, faites gaffe au caillasse quand même. Ouais. Parce que ça parpille bien. Hein. Ça en a la réputation. Ouais. Alors surtout, vous gueulez si elles partent. D'accord. Il ne faudra pas trop traîner dans ces barrettes parce que... T'as fait un nœud au bout ? Ah, il y a un magnifique relais sur chaîne. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a un quoi ? Il y a un magnifique relais sur chaîne là. Alors là, c'est le grand vide. Magnifique. Enfin, personne refuse là en bas. Traversée. On est tous encablés, hein, ça va bien. Ça assure. Rappels, effectivement, tout ça c'est des choix qui implique à un moment donné la sécurité. C'est toujours un choix à faire entre la sécurité et la rapidité. Alors des fois on peut aller très très vite et on peut y rester très vite aussi. Et là par exemple je vais dire à Pô, bout de corde. Voilà. Et donc il comprend qu'on est au bout. Ouais, je suis au bout. Alors qu'est-ce que c'est ce barbelin? Allez go. Ils ont pas appris ça au CAF. Et allez, feu, 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 qu'est-ce que c'est ce truc qui pendouille là? Nom de Dieu. On va peut-être passer sur l'arête même, ouais. Gaz, je vous dis pas. Pour la voiture. Après tu vois la trace. C'est que t'es pas arrivé à l'aigle après. Et refuge de l'aigle. Et il faudra sauter la fissure là, tu feras gaffe hein, Paul. François, oh. Tu dois trouver un relais sur chaîne très visible. Tout droit ou à gauche ou à droite? Sur l'arête, 30 mètres. Ouais, sur l'arête. Sur l'arête à gauche alors. Ah non, non, je te dis des conneries. Ouais. Oh non. Et voilà, c'est les deux derniers rappels là, pour la fin de la traversée. Donc là, c'est la chaîne. Il y a une marque bleue, non, ou pas? Où donc? Sur le... Non, il n'y a pas de marque. Ah, y a pas de marque. Donc c'est une chaîne et... Une bonne chaîne et après il y a deux rappels pour descendre. Ouais.